Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans le Cabana pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui, on va attaquer l'amélioration des fenêtres, d'accord? Donc les fenêtres qu'on a posées, également le dépliage des portes et la correction du dépliage de nos murs, puisque du coup, on a percé les murs, hein, donc on a coupé des faces, et du coup, on va revérifier un petit peu donc, les matériaux et l'assignation des UV. Donc pour ce faire, on va se retrouver donc sur Blender, du coup, et on va s'occuper des murs en premier. Donc on va appuyer sur slash pour les isoler. Et donc là, si on passe en mode édition avec la touche Tab, je vais vous réafficher donc mes touches ici sur la gauche. Hop. Voilà. Donc là, on peut donc sélectionner maintenant donc, les éléments par matériel. Donc en passant ici sur la petite sphère rouge et du coup en sélectionnant donc, les différents matériaux qu'on a assignés. Donc là, on a donc, le matériel annulation et la partie extérieure. D'accord? Et avant de corriger donc, les UV, maintenant, il faut recalculer donc, le point d'origine et le volume de notre mèche. Donc très important de faire ça pour que les UV soient propres. Donc on va faire Q. Rotation taille origine vers géométrie. Vous voyez que le point donc s'est décalé. Du coup, notre centre de masse est recalculé proprement avec les ouvertures. Et là, maintenant, on peut retravailler notre dépliage. Donc, on va repasser ici sur dépliage UV. Hop. Et là, donc, on va faire un slash pour isoler donc les murs. On va repasser en mode normal, en mode solide. Et là, on va commencer à replacer nos UV proprement. Vous voyez qu'en fait, là, du coup, on identifie donc des zones qui ne sont plus bonnes. Ça, c'est la géométrie qu'on a déformée en dépliant en fait, et en creusant notre mèche. D'accord? Comme là, vous voyez, la bordure de fenêtre est assignée à ce matériel, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Okay? Donc, pour l'instant, on va laisser donc, le matériel d'annulation. On va faire un A pour tout désélectionner, L pour sélectionner donc, les parties liées par couture, et je sélectionne uniquement mes deux faces d'annulation, d'accord? Donc le sol et le plafond, et on les assigne à nouveau. Assigné. Je fais un CTRL A, CTRL P pour les replacer. Je sélectionne l'UV de gauche, Q Rectify, l'appareil, Q Rectify. On refait CTRL A, CTRL P, et là je suis bon. OK? Maintenant on va continuer donc, avec les murs externes. Donc là pareil, donc, je désélectionne tout sur la gauche. Je sélectionne mon matériel de mur externe. Je sélectionne. Et là j'identifie donc les zones qui sont bonnes ou pas. Donc là il en manque, vous voyez, en fait, hein, il manque donc les faces qu'on a rajoutées. Je regarde un petit peu tout autour, là pareil, vous voyez, au niveau de la porte, hein, il manque celle-ci. Hop, et là, ça me paraît pas trop mal, hein, du coup. Donc là, ça va faire partie de la salle de bain, là c'est bon, et là c'est bon. Donc on va faire assigner, et là on va faire, hop, assigner sur, par contre, excusez-moi, je peux me tromper, donc on va faire assigner sur le mur externe. Assigner sur le mur externe, on redéplie tout, donc U, déplier, et là, on va faire donc le rectify, U, rectify, rectify. Rectify et rectify. On va maintenant rotate donc les éléments dans la bonne place. Hein. Vu qu'on a des trous en fait, de placement, on peut identifier facilement la rotation des pièces. Donc pas besoin de mettre la fameuse map de rotation. Hein. Du coup voilà, hop, on les place comme ceci. La fenêtre là, donc elle est sur le bas. Voilà. Et là, on a donc la petite porte de la salle de bain qui est sur la droite, comme ceci. Maintenant qu'elles sont tournées, on va faire un CTRL A pour recalculer la taille, CTRL P. Pour les empaqueter sans les tourner, et là on a corrigé nos murs. Okay. Maintenant, on désélectionne tout, on passe au plafond de la chambre 01. Okay. La chambre 01 qui est par là, d'accord, qui est même pas signée. Hop, sélectionné, et où cette chambre? Elle est là. Ah, donc là, on a donc le plafond et le sol. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On reclique sur assigner, on sélectionne cette partie-là, Q Rectify. Rectify, CTRL A, CTRL P. Voilà. Les murs de la chambre, maintenant, donc on désélectionne tout sur la gauche, on sélectionne les murs de la chambre, on regarde si tout est bon. Normalement, il va nous pas manquer donc, les faces de la porte. Voilà, qui sont ici, hein, vous voyez. Hop. On appuie sur donc, le mur chambre, on assigne ces nouvelles faces au matériel mur chambre. On resélectionne tout. Hop. U, déplier. Et là, on vient replacer. Donc là, en fait, on peut analyser que du coup, la structure, vous voyez, est mal coupée, en fait, ici, ce qui nous manque des arêtes de coupe. Donc là, on passe en mode arête. On va couper les angles du mur. Voilà. Donc tous les angles. Et aussi l'encadrement de la porte. D'accord? Donc très important de l'encadrement de la baie vitrée. On peut également le couper vu qu'on l'a rajouté. Comme ceci. CTRL E, marquer couture UV. Je resélectionne mes murs de chambre. U, déplier. Et là, j'ai quelque chose de plus cohérent. Donc là, cette partie-là, vous voyez qui est un petit peu courbe, elle est représentative donc, de cette partie-là. Donc là, il faut également couper les angles, d'accord? Donc les angles de ma fenêtre, comme ceci. Hop. Et enlever cette couture-là,
ne sert à rien pour l'instant. Donc on va faire un shift-click sur cette couture, CTRL-E, effacer couture UV. On redésélectionne, CTRL-E, marquer couture UV, et là on est bon. Donc je resélectionne mon matériel, U, déplier, et là c'est bon. Voilà, parfait. Maintenant on va replacer donc les éléments dans le bon sens. Donc là L pour identifier, donc là c'est bon, ce mur-là est bon. Celui-ci non, il est inversé, donc R90. Voilà, cette partie-là, donc c'est la partie droite de mon mur qui est ici. Ok, celle-ci, c'est la partie du bas, non du haut. Ok, donc celle-ci est inversée également. Donc L, celles-ci sont bonnes. Celles-ci sont normalement dans la bonne place, exactement. Et celle-ci est inversée. R90. On sélectionne tout. On va sélectionner également ces deux barres. R90. CTRL A, CTRL P. Comme ceci. Donc là, par contre, je pense que les barres, on va les mettre toutes horizontales. De toute façon, il n'y a pas trop de différence, parce que du coup, ça nous permet de gagner un peu de place. Donc maintenant qu'on a signé donc, nos murs de chambre, on peut repasser maintenant donc, au plafond salle de bain. Donc sélectionner. On va se rendre dans la salle de bain. Donc là, on identifie donc, les deux zones. Donc là, il ne manque rien. Parfait. On va faire un rectify. Donc Q, rectify. Rectify, CTRL A, CTRL P, et on assigne. Les murs de la salle de bain, donc pareil, donc on sélectionne donc le matériel sur la droite, on regarde un petit peu ce qui manque, donc là il nous manque les deux faces qu'on a rajoutées, bien sûr. Voilà, on les assigne au mur salle de bain. Donc là on va rajouter donc, les coupes manquantes en fait hein, par rapport aux fenêtres, donc là on coupe tout le contour de la fenêtre, on coupe également donc les angles. Hop. Donc là, on est où? On est là. Il faut également couper donc, le contour de la porte. Donc ça, on fera après. Donc là, les angles de la fenêtre. Hop. Le contour de la porte est bon. L'angle ici, on peut le couper. Celui-ci aussi également. Et là, c'est bon. CTRL-E, marquer couture UV. On regarde un peu le plafond pour voir s'il n'y a pas de défaut. Normalement, non. Non, c'est bon. Donc on resélectionne le matériel. Hop. On appuie sur U pour déplier. CTRL A, CTRL P, hop, on sélectionne donc les parties et du coup on les rotate dans le bon sens. Donc L, c'est 80. U rectify. Là on est bon, ça c'est les parties donc du côté. Celle-ci est bonne, c'est la porte. Donc U rectify. Celle-ci c'est le mur donc il est inversé. Donc R90. En sachant que le mur, vous voyez en fait, celui-ci part donc vers le haut en fait. Hein, donc ça c'est la partie haute. Et la plus fine, d'accord? Donc LR 180. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P et on impacte. Donc là on est bon. Ensuite on passe donc au sol plafond de chambre. Donc là pareil, donc on a ici donc, nos matériaux qui sont assignés proprement, normalement. Ouais. On va juste faire donc du coup un Q rectify, CTRL A, CTRL P. Voilà. Et là on est bon. On est bien sur le seul plafond chambre. Parfait. Maintenant, on désélectionne tout. On prend donc les murs de chambre. Donc là, il va nous manquer donc les faces qu'on a rajoutées, bien sûr. On regarde si toutes les coupes sont bonnes. Donc oui, il manque juste la baie vitrée. OK. Donc on assigne au mur chambre 02. Faites attention où vous assignez. Parce que quand vous prenez une face qui ne fait pas partie de ce matériel-là, il va automatiquement prendre l'autre. Donc celui sur lequel il est assigné. D'accord? Donc bien cliquer sur le bon matériel et l'assigner correctement, quoi. Donc là on va couper également donc, ces murs. Donc là c'est pas forcément la peine parce que du coup c'est déjà déplié. Donc ici c'est bon. Hop. CTRL-E. Marquer couture UV. Et la porte est bonne normalement. Ouais. Il y a juste les angles de la porte aussi qu'il faut casser. Voilà. Comme ceci. Parfait. Donc on sélectionne les murs de la chambre. On appuie sur U. Donc là il nous manque juste les deux faces qui sont là. Hop. Voilà. On appuie sur U et on déplie tout ça. On redresse maintenant donc les zones. R90. Là, je sais que la partie la plus dense est à l'envers. Donc R180. En sachant que là, on a un mur quand même assez grand. Mais bon, là, c'est pas très grave. Parce qu'on a quand même de la place sur les UV. Donc ça va largement. Ces barres-là, on va les inverser. On va les mettre donc dans l'autre sens, R90.
On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Et là, on est bon. Hop. Maintenant, on passe aux couleurs. Donc, le couleur, pareil, donc c'est toute la zone en fait, qui est ici. Et il faut rajouter donc toutes les parties qu'on n'a pas. D'accord? Qui sont ici. Hein. Donc, toutes les jonctions de portes qu'on a créées. On va les assigner donc au mur couloir. Assigner. On appuie sur U et on déplie. Et là, voilà, on se retrouve avec une carte UV, donc du mur complet et des sols plafonds, c'est parfait. On va les tourner à R90, CTRL A, CTRL P, et on est bon. Maintenant, on passe donc au sol pièce de vie. Donc ça, c'est le plafond. Donc le plafond était bon de base, hein, L rectify, LQ rectify, CTRL A, CTRL P. On assigne le sol pièce de vie, pareil, qui était bon. On recorrige quand même. Rectify, LQ rectify, A, P. On assigne. Ensuite, on a donc les murs de pièces de vie. Donc là, vous voyez, en fait, cette partie-là est sélectionnée, donc on la désélectionne. On va zoomer un peu pour enlever également donc, les parties basses, parce que ça, c'est dans la pièce de vie 2. Là, on a bien donc la fenêtre, la porte et les faces de la porte. Normalement, on est bon. On peut juste de zoomer avec point pour voir un peu. Ouais, c'est bon. Ok, donc là on a tout, donc on assigne à nouveau. On va faire un U déplié, mais avant ça, il faut rajouter donc les loupes des portes. D'accord? Donc on prend la porte, on la coupe sur son contour. On coupe également donc les angles. On prend toute la fenêtre. Voilà, on coupe le contour. Et là, on est bon. Contrôle E, marqué couture UV. Je regarde celui-ci, ouais, celle-là n'est pas coupée. Marqué couture UV. Et celle-là non plus, normalement. Enfin, celle-là, elle est bonne. Ah, donc là, c'est bon. Donc on resélectionne tout le matériel. On regarde, du coup, bah oui, il y en a encore en fait qui sont sélectionnés, qui ne sont pas forcément dans ce matériel-là. Donc on désélectionne toutes les faces qu'on ne veut pas. Voilà. Assigner. Déplier. Maintenant, on regarde, donc là, c'est la fenêtre, donc R90, on la décale, là, c'est la porte, R180, hop, là, c'est le mur de droite, R90, les barres, on va les mettre toutes à l'horizontale, donc R90, CTRL A, CTRL P, et on impacte. Donc là, c'est bon. Donc là, il manque juste, en fait, les jonctions des chambres, en fait, donc ici, du coup, j'ai oublié ces deux faces-là. Donc là, c'est pas très grave. On désélectionne tout. On va retourner sur la chambre 02 pour le vérifier. Voilà, donc là, c'est bien. On l'a ici. Donc on désélectionne. On prend les murs de la chambre 01 et là, on rajoute ces zones-là. Voilà, on redéplie. Mais en fait, c'est vraiment des oublis des fois et il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Donc là, L, R90. Hop, L. Là, c'est bon. Lui, il est inversé. Voilà. A contre P. Voilà, donc là on est bon. Hop, je l'assigne au cas où. Et là, on a les murs de la salle de bain aussi qui sont pas bons. Donc du coup, on va prendre mur de salle de bain. Et là, on assigne donc, les deux faces qui sont là. Mur salle de bain, assigner, déplier. R. 90, R180, R90, R180. On a tous les contours. Donc ça, c'est le contour de quoi qui n'est pas coupé? C'est le contour de la porte, ça? Ouais, on a oublié les angles aussi. Hop. Donc on recommence, hein. Hop. Déplier. Voilà. On reprend donc les parties inversées. R180, A, CTRL P. Et là, on peut prendre donc toutes les barres. Là, c'est 90. Voilà. Là, on va prendre toutes les barres verticales et on va les inverser à l'horizontale. Voilà, comme ceci. Donc là, on est bon normalement. Donc si je regarde maintenant ma pièce de vie.
Voilà, ah non, il me manque encore une partie. Donc je... Ah oui, c'est la partie qui est là-bas. Donc là, c'est pas très grave. On prend les murs de PSV 2, on assigne ses faces. Hop, on va zoomer dessus pour voir un peu. Et là, on assigne également les faces du dessous. Donc assigné, voilà. Maintenant, quand je retourne sur mes pièces de vie 1, normalement, j'ai mes UV propres. Voilà. Donc j'ai plus de faces qui dépassent. Maintenant, on prend donc les pièces de vie 2. On refait donc nos contours, hein, bien sûr. Hein, donc le contour de la porte donc, est déjà fait. Les angles, on n'oublie pas. Les angles de la fenêtre. Le contour de la fenêtre également. L'angle bas. L'angle gauche. La baie vitrée. Donc là, il nous manque juste une coupe ici, celle-là, on peut l'effacer. Contre effacer couture, on l'enlève. Hop. Donc là, j'appuie sur Shift-Click hein, à chaque fois hein, pour sélectionner mes contours. Et je désélectionne avec Shift-Click également. D'accord? Donc là, je sais qu'on ne voit pas les touches, parce que du coup, je ne peux pas les activer. Mais c'est ça que je fais. Hein. Donc là, on est bon. Donc du coup, celle-ci, c'est un grand mur quand même. En sachant que là, on n'a pas d'arête. Du coup, bah si, pourtant. Donc là, c'est quoi ce mur-là? Le mur de la fenêtre, de la porte. Ah, et celui-là, voilà. Donc c'est celle-là qui nous manque. Marqué couture UV. On sélectionne tout. Puis déplier. Toujours pas. Ah, parce qu'il nous manque là. Voilà. Je viens de le couper à l'instant. Il ne le prend pas en compte. On a bien donc le mur. Pourquoi ce mur-là se dissocie pas des autres? Alors, je regarde juste si c'est une couture à part, parce que du coup, ça n'a pas l'air. Ah, si, pourtant. Ah, mais d'accord, parce qu'il est joint. Ok. Donc, on resélectionne tout. Donc là, c'est bon. Donc, du coup, on va faire donc là. Hop. LR180. Alors, en fait, j'ai pas l'habitude que Blender place bien les choses, en fait. Donc, du coup, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai toujours l'habitude qu'il fasse un petit peu n'importe quoi. Donc, contre A, contre P, et là, on est bon. En fait, voilà, on a bien deux parties. Vous voyez, c'est juste qu'elles sont vraiment côte à côte. Donc, ce qui est bien, hein, ce qui est vraiment très très bien. Mais j'ai pas l'habitude que Blender fasse ça de lui-même, quoi. Et là, on a corrigé nos UV propres. Parfait. Donc, là, pour identifier s'il n'y a pas d'autres problèmes, on sélectionne toute la maison pour voir s'il n'y a pas d'arête de. Comment? Ils se superposent, hein, qui partent un petit peu en vrille. Donc là, c'est bon. On a une belle carte UV avec chacun des matériaux donc, à signer. Donc c'est propre. Okay? Maintenant qu'on a ça, en fait, on va s'occuper donc des fenêtres. Donc là, slash pour revenir en mode avec tout. On va prendre donc, les portes et le contour des portes. D'accord? Donc là, on a d'or matériel. Vous voyez, en fait, ici, pour le matériel de la porte et la porte en elle-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comment créer en fait, un matériel pour le contour, d'accord, pour la bordure de la porte. Donc là, qu'on va renommer d'or frame. OK. Et là, ça va être d'or, tout simplement. Je me suis trompé au niveau de l'appellation. Donc c'est 2OR. Et là, un matériel qu'on va nommer porte. Donc on appuie sur le petit fichier ici pour dupliquer donc, un matériel. Et celui-ci, on va juste le renommer Thor. Comme ceci. Donc on va assigner donc, les matériaux propres, hein, parce que du coup, donc, toutes les portes, on va les mettre sur une seule carte UV, je pense. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, ça va être une door. Là, ça va être une door frame. Donc là, c'est bon. Ensuite, sur l'intérieur, on a donc les portes également, mais là, c'est que des doors. Donc door. Door frame, voilà. Là, ça va être door. Door frame et door frame, là, door. Tac, door. Voilà, donc là, maintenant, on va prendre donc, toutes les portes, d'accord, donc les doors. Donc, on sélectionne avec Shift-Click droit sur les portes, en fait, pour les sélectionner toutes une par une. Voilà. On appuie sur slash pour les isoler. Voilà, comme ça on les isole toutes. Et là, le but, c'est de les déplier sur les UV correctement, d'accord? Donc, tab, on va passer en mode donc, sélection d'arêtes. Donc, pour une porte, on va couper donc, tout le contour, les angles. Voilà. Comme ceci. Donc, le contour arrière également. Ça aussi.
Voilà. Et voilà. Donc là, je pense que j'ai rien oublié. Ensuite, on a donc tout le contour de cette petite décoration hein, qui est ici. Voilà. Hop. On a ensuite donc comment, le décor intérieur. Donc ici. Voilà. Donc tout ce contour-là également. Les angles, bien sûr. Donc pas les angles internes, hein, juste les angles de bois qui sont ici. Quoique les angles internes, si, parce que du coup, après, le bois, il est joint. Donc, s'il prenait aussi les angles internes, excusez-moi. On va prendre les angles internes, parce que du coup, le bois, en fait, on va le rotate correctement, pour le placer correctement sur la porte et faire des jolies portes. Donc, plus vous passez de temps sur les UV, sur votre texturing, plus votre résultat sera probant, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, tac, tac. Parce que quand on fait les choses vraiment rapidement, bah du coup, oui, on peut les faire vite, mais c'est pas forcément trop bon, quoi. Donc là, CTRL-E, marqué couture UV. Donc je regarde de l'autre côté, bah du coup, oui. Il manque aussi ces parties-là, forcément. Tac, tac, tac. Donc là, on est bon, normalement. Il manque ce contour. Pareil. Oui, j'aurais pu laisser. Hop. Ah, donc là, il n'y a pas trop d'explications à donner en fait. Hein. Le but, c'est vraiment, comme je vous dis, de visualiser en fait l'objet en plat, en 2D, et du coup de le déplier correctement, quoi. Donc ça prend du temps, mais vous allez voir qu'après, donc le résultat sera vraiment, vraiment sympa. Et pas de fumée sans flamme, hein, c'est vraiment ça, quoi. Il faut mettre la main à la pâte un petit peu. Donc là, on sélectionne donc, tout le matériel d'or. On va faire U déplier, donc surtout pas le glace, hein, d'accord? Et là, on peut regarder que du coup, on a donc une grosse face ici qui correspond en fait à la face interne qui est ici, d'accord? Donc celle-ci, c'est un petit peu étrange parce que vous voyez, en fait, on a l'ornement qui est dans la face, d'accord? Donc du coup, c'est pas bon du tout. Cette géométrie-là est pas bonne. Donc on va faire un X pour supprimer cette face. Pareil pour l'autre, voilà. Pour la fenêtre, c'est bon, parce que du coup, c'est effectivement une partie à part. Et là, le panneau, vous voyez, en fait, il faut le fermer nous-mêmes. Donc, on va prendre l'arête interne, qui est ici, donc tout le contour qui est là. Hop. Donc, la dernière arête, hein, d'accord? Donc, vraiment l'arête qui est tout dedans, hein, donc ici, celle-ci. Et là, on va faire un F, d'accord? Pour fermer cette face et du coup, voilà, permettre de bien faire la géométrie, puisque l'avant était raccordé à l'intérieur de la géométrie. Donc ça faisait de la géométrie bah, superposée en fait. D'accord? Donc la géométrie qui n'est pas bonne. Donc F encore une fois. On vérifie vite fait donc les normales pour voir si tout est bon avant le dépliage. Du coup, il faut que je retrouve mon option. Hop, orientation de face. Et là, vous voyez, en fait, on peut voir que du coup, il y a une petite face inversée. Donc on sélectionne tout. CTRL N. CTRL SHIFT N, ça va tout inverser. Donc là, il faut reprendre juste la partie problématique. Donc à savoir ce contour complet. Donc cette face-là, donc j'arrive pas à identifier si c'est une face interne ou pas en fait. Du coup là on a la face ici. Ah d'accord. Ah donc on a vraiment une ouverture ici en fait. Ah donc c'est vraiment pas bon du tout. Donc là pour ça, alors attendez que du coup je réfléchisse, parce que là en fait on a fait une erreur. Enfin j'ai fait une erreur du coup. C'est que là, en fait, on a une face interne. Donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas de géométrie. Donc, si j'unis donc effectivement le plateau externe, il est toujours à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc, toute cette boucle-là. On va faire un extrude, donc EX pour extruder, 0.001 en négatif. Et là, on fait un F. Voilà. Et donc, là, cette face-là, maintenant, est inversée. Donc, on sélectionne ça, CTRL plus, CTRL N, CTRL SHIFT N. Voilà. Et là, on est bon. Pareil pour l'autre côté, donc on sélectionne tout le contour, extrusion, X, 0.001, hop, F, et là on est bon, normalement. Ouais. Parfait. Voilà, comme ça là, normalement on aura le pliage propre. Donc on resélectionne toute la porte, déplié, et j'ai toujours cette face interne, donc ça veut dire que la face interne est ici en fait, au niveau du glace. Donc, on sélectionne le vert, on fait H pour cacher. Et là, ben non, pourtant.
Donc là, je pense qu'on va faire pareil en fait, pour former la géométrie. Donc on sélectionne donc, les deux faces de vitre. On va faire un X pour supprimer les faces. On repasse en mode arête. On sélectionne donc, le contour complet. X. Là, on va mettre 0,005. Comme ceci. Donc en négatif. Donc X 0,005. Négatif. Là, un peu plus, on va mettre 0,01. Voilà. F. On passe en mode face, on sélectionne cette face, CTRL plus, CTRL shift N pour forcer l'inversion. On repasse en mode arête, on sélectionne donc l'autre contour, EX 0,005, F. Sélectionne le mode face, CTRL shift N, et là on est bon. Voilà, comme ceci. Donc là, la porte est corrigée, donc c'est bon. Donc là, en termes de vue, maintenant, il faut redéplier donc, toutes les autres portes pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc on sélectionne l'arête, on appuie sur point pour zoomer un petit peu dessus. Donc là, celle-ci est plus simple puisque c'est juste un bloc. Donc on découpe toute la planche. Là, pareil. On découpe le contour, hein, du coup, les arêtes de jonction. Donc là, CTRL plus, CTRL E, marquer couture UV. Et là, on est bon. Donc U déplié. Voilà. Ensuite, on a donc une autre porte simple. Donc là, c'est toute la porte qu'il faut déplier, quoi. CTRL E, marquer CTRL V. Celle-là aussi. CTRL E, marquer CTRL V. Voilà. Et celle-ci, donc la porte d'entrée est un petit peu plus complexe, donc comme l'autre. Donc là, on sélectionne donc toute la planche de contour. Voilà. Hop. Le contour de ma structure, ce contour-là. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc, tous les angles. Oui, bah, de toute façon, on va faire comme l'autre. Hein. On va faire comme l'autre. Beaucoup plus simple. Là, les coins. Oh. Le contour également, donc là, là. Là. Donc là, la face interne, on va la refaire hein, comme l'autre, pour le vert. Comme ça, il sera bien, vraiment bien aligné à la géométrie. Donc là, CTRL marquer couture UV. Ok. Donc maintenant, cette face-là, on va la supprimer. Voilà. On sélectionne donc tout le contour qui est ici. Voilà. Extrusion Y 0,005 F. On sélectionne la face, CTRL plus, CTRL shift N pour forcer l'inversion. Et là, pareil de l'autre côté. Donc on sélectionne le contour Y 0,005 en négatif F. On sélectionne la face. Plus CTRL shift N pour l'inversion. Et là on est bon. On assigne donc le matériel de verre ici, donc glace assigné. Voilà. Et tout le reste, donc on inverse la sélection et on assigne l'or. Voilà. Donc là normalement on est bon. Donc on sélectionne tout, on appuie sur U pour déplier et là on a toutes nos portes. Donc maintenant il faut corriger les UV en termes de rotation, en termes de placement. Donc là encore une fois, rien de plus simple. Hein. On a notre matériel d'or qui va être sauvegardé, donc vous en faites pas. On a la synchronisation qui est activée, donc on la désactive. On active le checker map 1 pour vérifier donc la texture density. Voilà. Et on active le checker map 2 pour vérifier la rotation. Donc je vais retirer du coup donc l'orientation de face de mon viewport. Voilà. Et là, on peut regarder donc la rotation des portes. Donc on va commencer par celle-ci, donc L pour sélectionner donc les parties avec couture. On prend la partie, on la rotate à 180, puis rectify, on la met de côté. Voilà. Ensuite, on a donc les jonctions. Ils sont ici, donc là elles sont bonnes. Celle-ci, elle est inversée. Donc là, bien faire attention au sens de rotation, parce que là c'est le sens de rotation du bois. Donc si le bois est inversé, on le verra et ça ne sera pas bon. Donc là, on est bon par rapport au sens. Donc juste le sens, hein, pas forcément l'orientation, mais juste le sens de rotation. Voilà, si c'est vertical, il faut le mettre à la verticale. Si c'est horizontal, il faut le mettre à l'horizontale. Simplement. Donc là, L, ça c'est bon. Celle-là, elle n'est pas bonne. Voilà. Celle-là, elle est bonne.
Là, elle n'est pas bonne. Voilà, comme ceci. Donc, on sélectionne toute la porte, du coup. Et là, donc celle-là est bonne. Le vert, on s'en fout. Et là, l'autre est bonne. Okay. On passe à la suivante. Donc là, c'est bon. Là, c'est pas bon du tout. Voilà. Hop. Là, on est bon en termes de sens. C'est juste qu'elle est inversée. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et celle de l'entrée. Elle est juste rotate, mais c'est bon aussi. Ok, donc ça va, on n'a pas trop d'erreurs, donc ça va encore. Donc là, on va juste rectifier donc maintenant la géométrie. Donc on sélectionne tous les cadres de porte. On fait un Q rectify à chacune des coutures. D'accord? Donc on sélectionne les coutures avec L. Q rectify. Et du coup, on les place correctement. Okay. Okay. On voit qu'on a une déformation ici aussi. Donc là, ça veut dire qu'elle est inversée. Donc c'est là on va la corriger par la suite. Pas très grave. Donc là, on est bon. Juste corriger les grandes parties, parce que les petites, à la limite, ne sont pas forcément nécessaires de corriger. On les verra bien assez bien. Ah, donc là, le but, c'est vraiment de vous montrer un workflow en fait, qui est dense, certes, hein, qui est très bon, mais qui est propre. Et du coup, pour vous permettre de faire des jolies mèches, et du coup, de ne pas vous soucier de problèmes que vous pouvez rencontrer par la suite. Donc là, sachant que la bordure, en fait, ici, elle n'est pas bonne, quoi. Donc, du coup, ça veut dire que ça, c'est l'encadrure de ça. Mais d'un côté. Mais d'un côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste, en fait, la partie bois, en fait. Voilà. Et là, le problème, c'est que, du coup, cette partie-là, c'est une partie bois aussi. Donc là, il faut faire un CTRL-E, marquer couture UV. Voilà. De l'autre côté aussi. Et là-bas aussi, hein, sur les parties vertes en fait, hein, parce que je n'ai pas l'impression qu'elles soient bien divisées. Voilà. On sélectionne donc les parties bois. Voilà, là c'est bon, déplié. Donc on recommence juste la rectification. Donc rectify. Rectify. Donc ça c'est la partie bordure. Okay. Celle-là, je vois pas pourquoi l'inverser comme ça, mais je pense que c'est une normale qui est inversée. Donc ça, on va vérifier après. Là, elle est tournée. Donc là on va faire L, ça voilà. Sélectionne tout, contrôle A, contrôle P, et là on n'est pas trop mal, je pense, au niveau de la porte. Ouais. Il y a juste celle-là qui manque encore. Voilà. Et là je pense qu'on est pas mal. Ouais. Nickel. Ok, donc maintenant qu'on a corrigé nos UV, donc on va remettre nos matériaux propres. Donc là c'est bien donc d'or. Hop. D'or, c'est backup normalement. Voilà, backup. Donc, on va juste la renommer d'or. Il m'a mis 50 000 backups. Ok, et ça, c'est glace. Voilà, backup glace, et on enlève tout ça, et on met juste glace. Nickel. Donc, maintenant qu'on a ça, en fait, on va sauvegarder donc, notre fichier. On va purger nos matériaux qui ne sont plus nécessaires. Donc, pour se faire ça, on va ici donc, dans nettoyer, et on clique sur purger donc, les éléments. D'accord? Donc, nettoyer. Unused data blocks, on clique donc plusieurs fois et là il me dit il n'y a plus de data blocks qui sont orphelins. Donc ça c'est bon. Donc slash. Maintenant on va prendre donc les contours en fait des portes. Donc là pareil, donc slash
Oui, en fait, donc le contour d'une porte, c'est pareil, donc juste un contour basique. Hein. Donc là, on va le déplier complètement. Donc pour ce faire, on sélectionne tous les contours de porte avec Shift-Click, comme tout à l'heure. Voilà, hop. On sélectionne tous les contours. On passe en mode Edit. Flash pour isoler, on passe en mode Edit. Hein. On sélectionne tout. Ctrl-E, marquer coupure UV. U, déplier. Et là, le but, c'est de remettre tout dans le même sens, d'accord? Donc le même sens d'orientation. Donc tout à la verticale ou à l'horizontale, hein, selon votre choix. Moi, je vais prendre tout à la verticale, parce que j'en ai beaucoup plus qui sont déjà placés. Donc vous appuyez sur toutes les faces en L, et là, vous faites un rotate 90. Voilà. On en a oublié quelques-unes. R90. On sélectionne tout, CTRL-A, CTRL-P. Là, je peux encore en voir une. CTRL-A, CTRL-P. Et là, on est bon. Tac. Voilà. Donc ça, c'est bon pour les door frames. Pour les matériaux, donc c'est bon aussi, et ça c'est bon aussi. Donc maintenant on va juste retirer donc là les cartes de checker, donc il faut les changer sur tous les matériaux, hein, malheureusement. On ne peut pas juste prendre un matériel et le réassigner sur une seule instance. Donc là on reprend notre glace. Ici on reprend juste notre door. Voilà. On continue. Donc là cette porte-là avait déjà été corrigée, celle-là non. Donc on la sélectionne, on met door. Voilà, et celle-ci aussi, on sélectionne et on met d'or. Parfait. Voilà, donc maintenant nos UV sont propres pour toutes les parties de la maison. La maison est loin d'être finie. Maintenant, on va faire juste une petite partie de nettoyage. Donc, on sélectionne les encadrures, vous voyez, en fait, de nos fenêtres, donc les boîtes d'entourage, je peux dire ça comme ça, de nos fenêtres, hein, donc tout comme les portes, et du coup, on va les supprimer. Donc, X, supprimer. Voilà, hop, les points de pivot, on va les laisser. On en a juste les boîtes englobantes, hein, parce que sinon ça va nous porter confusion. Et là, on n'est pas trop mal. Ouais. On sélectionne tout, on passe tout en mode edit, d'accord, en appuyant sur Tab. Et là, on va faire donc une sélection de tous les vertices. On va faire Q, dissoudre dégénéré. Vous voyez, non, il y en avait 23 et 17 arêtes. Donc dissoudre dégénéré encore une fois, il y en a 0, c'est bon. Fusionner par distance, il y en avait 62. Supprimer isolé. Hop, ok, on recommence. Dissoudre dégénéré, fusionner par distance et supprimer isolé. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Oui, on replacera les points de curseur pour les portes par la suite. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà, donc là, on a la mèche propre qui est prêt à être texturée correctement et du coup à être améliorée. Donc pour l'amélioration de la géométrie, on fera ça sur la prochaine leçon. Maintenant que notre dépliage est parfait, on fera donc l'amélioration de la géométrie. Je vous montrerai quelques petites techniques pour améliorer la géométrie et du coup avoir des beaux ombrages et justifier justement cette topologie qu'on a faite. Et ensuite, on fera une grosse partie texturing pour le sol, les murs, le plafond. Ensuite, on fera les plinthes et après, on continuera avec quelques décorations pour habiller notre maison, le toit bien sûr et les extérieurs. Okay? Donc merci à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.